cette finale. Retour commence aujourd'hui, les Neptunes face au Marianne 92. Nous connaîtrons les nouvelles championnes de France ce soir en direct sur Sport en France. Le premier service pour le Valois Paris Saint-Cloud. Que le spectacle commence. Ouais, la bonne réception tout de suite d'Amandine Giardino. On renverse là-bas sur Jenkin qui est défendu. Ça va revenir. La Corse derrière de Marie Jasper. Tout de suite un premier point très disputé. Le bloc a trouvé par Taylor Mims qui lance parfaitement son match. Les choses n'ont pas plu hein, sur ces derniers points. En 7 plus 4 pour les Neptunes. Allez, Cugno là-bas pour relancer la machine. C'est contré. Palgutova ne sera pas contré elle, mais Amandine Giardino à l'arrière. Remet cette balle. Juliette Gélin également. Bon, attention au filet, c'est Jelinkin. Cugno, Mims. Attention, Karasoy contre Palgutova. Quel point! Double duel au filet entre Kin et Candelaria Herrera. Juliette Gélin toujours sur la trajectoire du ballon. Alanco Surbanca, Cugno qui arrive à terminer cet exceptionnel point. Il est pour les Marines 92 celui-là. 11-8. Ça va faire du bien psychologiquement au Marianne de remporter ce rallye. Ouais, juste après le temps mort, là, parvenir à enrayer la dynamique. De service. Allez, la capitaine Karine Palgutova sur Amélie Rotard. Karasoy. Il joue en pipe sur Taylor Mims qui arrive à rabattre parfaitement cette balle. C'est indéfendable pour Juliette Gélin. 12-8. France. Mais elles le font. Bravo à cette réaction d'orgueil. Et ça, c'est rare aussi. Kaïssa Alanco qui tente une première main et qui la met directement dans le filet et qui offre le gain de ce premier set au Neptune. 25-19. Nantes est devant. 1-0 face au Levallois Paris Saint-Cloud. C'était César Hernandez en face de Bianca Cugno. Un Baglio du bout des doigts. C'est défendu par Amandine Giardino. La défense haute aussi pour Palgutova et Kekman qui trouve la faille en sautant pratiquement sans élan. Et Taylor Mims qui a fait le choix. Passe au VMA, le troisième match. Exceptionnel la Serbe. Enright qu'on n'a pas du tout vu, hein, notamment sur la finale. Allez derrière Marie Jasper, bien servie elle aussi. Il s'offre un nouveau point. Allez, Nantes qui reste devant. 5-4. Ouais, c'est Jelinkin sur une décalée de la liste des 30 françaises présélectionnées pour aller disputer la Volley Nations League. Ah, ça va être grand moment après cette saison de championnat. Et derrière, Kekman. Quelle attaque là de Lubica Kekman. Le ballon pratiquement planté dans les 3 mètres. Tenter de faire parler la poudre avec sa patte gauche au service. La bonne réception de Palgutova qui est servie de nouveau par Alanco. Elle est incroyable également, la capitaine des Marianne. Cette diagonale surpuissante. 23-22. Ah, c'est fort ce qu'elles font. Balle de 7 pour les visiteuses. Pour le coup, les Neptunes qui à leur tour ont mené 22-17 après avoir été menées de 4 points. Qui sont restés à l'arrêt face au rush des Marianne. Et Rotard qui vient sauver cette première balle de 7. 24 partout. On rappelle bien sûr 25 points pour remporter un set avec 2 points d'écart. Donc statu quo. Ouais, sur Marie Jasper. Taylor Mims qui est servi là-bas. C'est dévié. Kekman qui remet cette balle à Lanco. Pour Bianca Cugno, peut-être pour offrir un premier set au Man 92 et c'est fait un partout. 26-24 pour les Marianne 92. Le Valois Paris Saint-Cloud qui égalise à une manche partout. Elles reviennent de nulle part dans cette manche. 18-12, on a compté plus de 6 points d'avance pour les Nantes. Ouvre le compteur des Nantaises avec cette petite feinte et qu'on retrouve au service. Alanco, c'est bien fait à deux mains là-bas maintenant. Et l'énorme bloc encore une fois, c'est pas possible. Candé Herrera sur un nuage. Un nouveau bloc gagnant pour la centrale argentine, accompagné hein, de sa compatriote Bianca Cugno. Est-ce qu'il est bien pour Herrera?
Palgutova, ça touche la bande du filet. On se bat comme on peut. Marie Jasper qui renvoie ce ballon. Kerasoy et Mims qui ont fait leur retour sur le terrain. Et Alanko qui trouve en pipe. Elle arrive de loin derrière la ligne des 3 mètres. Karine Palgutova. Et ça fait 24-17. Balle de 7, la première d'une longue série peut-être. Si on n'arrive pas à remporter tout. Allez, encore une fois, elle joue avec la bande du filet. Elle a de la réussite. Et Juliette Gélin qui se bat. Alanko qui trouve là-bas Bianca Cugno. Bon, attention, Giardino qui défend, on se gêne un petit peu. Retard sur Gélin. Kekman s'est contré, c'est dehors. Blocage trouvé par la Serbe. Oh, attention, attention, on va sûrement demander un challenge vidéo. Ah non, faute de filet, effectivement. Eh bien, c'est bien. Filet touché, oui, mais pas de faute de filet. C'est bien 2-1 pour les Marianne 92. De son cri de rage, elle qui croit encore énormément. Allez, Maglio, et la réception qui est compliquée. Taylor Mims. Avec Emily Respo là, qui a fait son entrée à la passe. Pas de double changement cette fois. Taylor Mims est resté sur le terrain. Remplacement poste pour poste. Daralia Karasoy par la jeune internationale française Emily Respo. Et Cugno qui continue son festival. 28e point pour une finale. Retour du champion. Jelinkin. Service smashé puissant. C'est bien réceptionné. Bianca Cugno qui est trouvée là-bas. C'est Taylor Mims qui va défendre. Allez, Rotard qui est contré. Ballon resté dans le filet, Fonsigne. Et derrière le bloc. Bon, voilà, ça règle tout, mais effectivement. Elles arrivent à la fois à parler à l'arbitre, à rester concentrées, à bloquer l'attaque des Neptunes. Elles peuvent et savent tout faire ce soir. Ah, est-ce que c'est le filet? Est-ce que c'est un bloc gagnant? Ouais, Maglio. Respo qui joue là-bas au centre pour Taylor Mims. Ça va revenir. Palgutova. Et heureusement, Amélie Rotard était là. Marie Jasper qui va trouver le carré magique là-bas. 19-16. Ouais, il faut s'appuyer sur la néerlandaise. Elle a la main chaude. Une des rares côtés Neptune à garder ce niveau depuis le début du match. Ouais, Mangin Beaulieu est en train d'exploser. Rotard toujours au service. Ouais, la réception de Palgutova qui revient directement de l'autre côté. Nakour Tajik. Ça passe devant et désormais c'est balle de 7 pour Nantes. Et un peu tard. Attention, c'est reparti. Alanko là-bas. Et pour Ljubica Kekman. Ces deux équipes méritent le meilleur. Mais une seule sera sacrée championne de France. Cugno, le service sur Giardino. Allez, attention. Aussi près là-bas. Du filet là, c'était compliqué pour Marine Jasper. Ouais. Allez, Palgutova en pipe, ça revient encore. Gélin. Alanko qui joue là-bas sur Kekman, le petit ballon, c'est défendu, ça va revenir avec Taylor Mims qui est contré. Le bloc terrible d'Emily Maglio. Quel bloc qui va offrir la première balle de match, la première balle de titre pour les Marianne 92. La Canadienne qui vient trouver ce monster bloc au meilleur des moments. Bianca Cugno qui va servir. Oh, la réception d'Amélie Rotard. Taylor Mims qui est servi là-bas. Ça va revenir, Cugno, Alanko qui rejoue avec Ljubica Kekman. Les Marianne 92 du Levallois Paris Saint-Cloud sont championnes de France 2024. Au terme d'une finale, même de deux finales, stratosphériques. 3-0, puis 3-1 désormais. Elles ont fait tomber les Neptunes de Nantes ce soir à Mangin Beaulieu. L'exploit des joueuses d'Alessandro Refici avec une Bianca Cugno des très grands soirs. Waouh! Quelle finale, c'est mérité. Et clairement, sur l'ensemble des deux matchs, Hélène, rien à dire. Elles vont soulever le trophée à l'extérieur, ici à Mangin Beaulieu. Elles vont pouvoir rentrer et fêter ça du côté de la région parisienne dans quelques jours. Les Marianne 92 au sommet du volleyball féminin français. Et ces joueuses qui, pour un grand nombre également, vont quitter le club à la fin de la saison, mais elles garderont ce souvenir intact, bien sûr. Il y aura des échéances énormes à suivre pour bon nombre de ces grandes joueuses qui ont été exceptionnelles sur ces finales. On a pu vous proposer avec grand plaisir sur Sport en France. On savait qu'elles pouvaient le faire, mais de cette manière, quand même, chapeau à tout le club, à tout le staff, à Alessandro Refici, à toutes les joueuses qui ont participé
cette saison